Bonjour. Depuis plus d'un an, partout dans le monde, les citoyens partagent une même préoccupation majeure, leur santé. Depuis le début de la crise Covid-19, les acteurs de la recherche scientifique se sont mobilisés sur le front, les épidémiologistes, les infectiologues, les virologues. Leurs travaux ont permis de comprendre la gravité et la contagiosité de la maladie et de trouver des solutions, dont celle essentielle des vaccins. Cette crise a aussi bouleversé nos modes de vie et révélé la fragilité des sociétés humaines. D'autres scientifiques sont donc rapidement entrés en jeu, des sociologues, des économistes, des anthropologues. Ils travaillent en étroite interaction avec les acteurs de la société et plus largement les populations. Mais au-delà de cette mobilisation sans précédent dans la lutte contre le virus, d'autres scientifiques, comme les politologues ou les écologues, ont également contribué au débat public en insistant sur deux dimensions de la crise sanitaire. D'une part, il s'agit d'une crise globale, où la santé des humains d'un pays dépend de celle d'autres humains à l'autre bout de la planète. Ainsi, trouver des solutions durables pour renforcer la résilience de nos sociétés nécessite d'appréhender cette crise à travers une collaboration internationale sur le long terme. D'autre part, il n'est pas seulement nécessaire de gérer la pandémie et limiter son impact sur les sociétés, mais également d'agir en amont sur les relations entre les humains et leur environnement afin de limiter l'émergence de nouvelles maladies infectieuses. Du fait de ces deux dimensions, les nombreux débats impliquant les scientifiques ont dévoilé un vocabulaire nouveau pour une grande partie de la société. Santé globale, santé planétaire ou les anglicismes One Health et Eco Health. Alors, dans un monde où l'information foisonne, comment se repérer dans le flot des concepts et des terminologies? Comment comprendre les enjeux d'aujourd'hui pour pouvoir demain élaborer des solutions? Commençons cette émission ensemble par définir les mots avant d'aller plus loin dans les idées. Global health, One Health, Eco Health, Planetary Health. For several decades, and increasingly since the COVID crisis, scientists have been using a whole series of terms to discuss factors linking the health of all living beings. Our understanding of this issue is limited, and it might seem to be a matter for specialists, but in fact, it concerns us all. So, what does it really mean? And what purpose does it serve? Global Health places a priority on improving health and achieving health equity for all people worldwide. One Health conveys the idea of a holistic approach to health and the need to consider all types of health. Revolving around the link between human and animal health, this concept has logically been promoted by veterinarians in view of people's close relationships with their pets. Eco Health. This approach is promoted by ecologists, and this time, plant health is clearly an integral part of the concept. Ecosystems are formed by a community of living beings interacting with their environment. Today, our ecosystems are impacted by industry, urbanization, transportation, overfishing, single crop farming practices, etc. Therefore, an eco-health-based vision revolves around the idea that the degradation of ecosystems has an impact on the exposure of human populations to the viruses, pathogens, and pollutants propagated in these environments, particularly via animal communities. Planetary health. Envisaging human health and planetary health as an indissociable whole is an approach that is often adopted by public health researchers, who establish a link between the degradation of ecosystems and the vulnerability of human populations. While taking account of the planet's limitations, it is now known that humans are creating massive opportunities for potential disease propagation by devastating natural reservoirs and building sprawling cities, effectively rolling out the welcome mat for any poor viruses that have exhausted their supply of hosts in a given area. In short, these concepts, despite their differences in factions, are essential because they approach health from a fresh, much less anthropocentric perspective. When we consider health as part of a human, animal, plant continuum, and even on the scale of all ecosystems on Earth, in water, the air, or soils, we take a completely different approach to disease control. Examples include caring for animals and plants to prevent the transmission of diseases, reflecting on ways to regulate meat markets and intensive livestock rearing in order to prevent the spread of diseases, preventing the degradation of natural environments, such as deforestation, which creates new opportunities for contact between humans and animals, envisioning a borderless approach to disease prevention. In short, by developing a clearer but less anthropocentric analysis of our role, by looking all around us, and by aiming to achieve one health for all and by all. Doesn't this concern us all?
Alors, vous l'avez compris, tous ces termes convergent vers un même paradigme. La santé des êtres humains est liée à celle de la santé de notre planète et il est nécessaire de l'aborder de façon holistique, intégrée, interdisciplinaire et transversale. Le titre de notre émission d'aujourd'hui, One Health, une santé dans tous ses états, reflète cet impératif. Une santé appréhendée par tous les pays, car les pandémies sont planétaires, avec le besoin de renforcer la coopération entre les pays du Nord et du Sud. Une santé qui doit considérer non seulement les dynamiques des maladies, le désormais célèbre R0, mais également les dynamiques climatiques, écologiques et sociales. Enfin, une santé coordonnée entre les différents acteurs de la société, scientifiques, politiques, mais aussi associations, bailleurs et citoyens. L'objectif des émissions Hello World, produites par l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, est d'intensifier ce dialogue entre les scientifiques et les autres acteurs de la société en présentant une diversité de points de vue entre les disciplines, entre les expertises, entre pays du Sud et du Nord. Aujourd'hui, comme pour chaque émission, notre programme s'organisera autour de 4 séquences illustrées de capsules et de témoignages. 4 séquences pour lesquelles j'aurai l'honneur de recevoir des invités de choix pour débattre du thème One Health. Pour la séquence Hello Science, deux invités de renom poseront les bases scientifiques de l'émission. Peter Daszak, expert en écologie des maladies auprès de l'IPBES et président de l'EcoHealth Alliance. Laetitia Atlanidio, anthropologue à l'IRD et directrice du Centre collaboratif pour la recherche sur la santé et les politiques humanitaires de l'OMS. Laetitia nous rejoindra en direct en fin d'émission. Pour notre deuxième séquence, Hello Africa et America, je recevrai Francine Ntoumi, enseignante en immunologie à l'université Marianne Gwabi à Brazzaville. Francine est directrice générale de la Fondation congolaise pour la recherche médicale et vice-présidente de l'Académie africaine des sciences. Et Gerardo Susan, professeur de faculté médecine vétérinaire et zootechnique de l'UNAM et président de l'Association mexicaine de la médecine de la conservation. Pour notre troisième séquence, Hello Solutions, nous nous confronterons à une situation concrète d'approche One Health au cœur du Mexique. Et pour cela, Gerardo sera accompagné de Benjamin Roche, directeur de recherche en écologie et biologie évolutive à l'IRD, et directeur avec Gerardo du laboratoire Mix International El Dorado. Enfin, dans notre dernière séquence, Hello Citizens, votre séquence, vous pourrez interagir avec nos invités, donc n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Nous tenterons de répondre à un maximum d'entre elles. Bienvenue dans cette deuxième émission Hello World spéciale One Health. Et sans plus attendre, notre première séquence, Hello Science. Bonjour, mesdames et messieurs. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a great honor. Votre invitation pour moi. To be invited mais, to take part. I will continue in English, not in my Mais je vais poursuivre en anglais, car mon français n'est pas très bon. Je voudrais parler maintenant de la valeur de la science. Et je pense que la véritable valeur de cet événement, de cette réunion, c'est l'idée que nous pouvons aider à prévenir l'apparition de phénomènes comme le COVID-19 à l'avenir. Que ce soit par One Health, Planetary Health, par la santé planétaire, le fait de comprendre les liens entre les environnements, la vie sauvage, les troupeaux et les humains, si nous pouvons comprendre comment les microbes circulent dans ces canaux, c'est une approche absolument critique. Je vous montre ici une chauve-souris, puisque comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, il y a de fortes preuves scientifiques que le COVID-19 est causé par un virus qui est né parmi les chauves-souris, comme beaucoup de virus avant lui. Et cela peut sembler très étrange quand on a commencé à entendre parler de cette pandémie. C'était étrange d'entendre qu'un événement si particulier puisse conduire à une pandémie mondiale qui affecte des millions de personnes et qui conduise au décès de millions de personnes. Comment est-ce que ça pourrait venir d'un virus qui provient d'une chauve-souris? Quand on a d'abord entendu parler du COVID-19, on a entendu parler de ce marché, le marché de produits de la mer de Wuhan, qui est un marché qui vend des fruits de mer, mais aussi des animaux vivants, des animaux sauvages vivants et des animaux morts. Et nous savons depuis le cas du SARS qui a émergé en 2003 que des marchés comme celui-ci peuvent être la source de nouveaux virus.
Donc, c'est de là qu'est venu, que sont venus les premiers soupçons. Si l'on regarde les études scientifiques qui ont été faites sur le coronavirus à l'état sauvage, ce que l'on a pu trouver, c'est qu'il existe littéralement des dizaines, peut-être des centaines ou des milliers de coronavirus qui existent dans la vie sauvage. Dans les régions rurales d'Asie du Sud-Est où l'on vit des vies très traditionnelles. Ici, vous voyez une image de la province du Yunnan, dans le sud de la Chine, où il est possible que le SARS-CoV-2 ait débuté son parcours et soit passé de la chauve-souris à l'humain. Si l'on visite cette région, on voit des cavernes, ce sont des paysages calcaires remplis de cavernes où vivent des chauves-souris. Cette caverne en particulier, dans cette caverne, on a retrouvé tous les éléments génétiques existants dans le coronavirus 2. Donc, cela tend à montrer que le SARS a probablement émergé dans cette région et s'est diffusé à travers les systèmes de marché qui vendent des animaux sauvages. Et c'est peut-être dans ces endroits que le COVID-19 a émergé. Alors, comment utiliser ces données pour prévenir des futures pandémies? Alors, regardons les mécanismes. Nous avons travaillé dans de tels endroits depuis des années et le commerce des animaux vivants est très développé en Asie du Sud-Est et en Chine. Vous voyez sur la droite et sur la gauche, ce sont des photos du marché de fruits de mer de Wanan. Vous voyez des cages avec des mammifères vivants dont on sait qu'ils peuvent transmettre le coronavirus à l'intérieur du marché. Et un rapport a été publié récemment qui dit qu'il y a peut-être jusqu'à 30 000 animaux vivants par an qui sont transportés dans le Wuhan, qui arrivent de ferme où ils sont élevés pour fournir des aliments. Le commerce des animaux vivants, c'est un commerce qui est très répandu en Asie du Sud-Est et dans le monde entier. Mais ce qu'on a vu dans les 30-40 dernières années, c'est qu'il y a eu un déplacement. Les animaux sont maintenant produits dans des fermes, dans des élevages. Et donc, ils sont élevés de manière intensive, puis transportés dans des marchés à travers toute la Chine et l'Asie du Sud-Est. Ces animaux sont mélangés entre animaux élevés en captivité et animaux sauvages, et c'est cela qui donne l'opportunité au virus de se répandre et de se diffuser très largement chez les humains comme chez les animaux, dans les villes comme Wuhan. Et nous pensons que c'est vraiment le parcours le plus probable qui a pu suivre le COVID depuis une chauve-souris jusqu'à des humains, jusqu'à donner lieu à la pandémie. Alors, pour comprendre un système complexe comme celui-ci, il faut faire appel à des notions scientifiques, il faut des experts qui travaillent sur les animaux sauvages dans différentes parties du monde. Ça nécessite de travailler sur les comportements humains, c'est ce que font mes équipes. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette tendance à l'industrialisation du commerce des animaux vivants? C'est un marché qui emploie 40 millions de personnes, c'est le chiffre pour 2016, et c'est un marché qui représente plus de 70 milliards de dollars. Donc, ce sont des problématiques très sérieuses pour l'avenir. Si nous voulons éviter les pandémies, nous devons prendre en compte ces activités et chercher à les réduire. De fait, il ne s'agit pas simplement du COVID. Toutes les pandémies auxquelles on peut penser dans l'époque moderne ont été causées par des pathogènes qui trouvent leur origine dans les animaux et qui sont causées par le fait que nos activités nous amènent plus près des animaux et permettent à ces pathogènes de se diffuser dans la population. Le sida, HIV, était actif chez les chimpanzés en Afrique de l'Est, mais aussi l'Ebola, le Zika, l'influenza A, toutes ces maladies ont des liens au monde animal. Donc, c'est vraiment critique pour arrêter la prochaine pandémie de considérer qu'elles ont toutes émergé de la même manière. Si nous analysons les causes de toutes ces pandémies, toutes les maladies émergentes ne deviennent pas des pandémies, mais peuvent le devenir. Et donc, si on regarde ça, on voit deux problématiques clés. D'abord, les changements dans l'usage des terres, la déforestation, l'urbanisation, la construction de routes dans des zones reculées amènent les humains en contact avec les animaux et leurs pathogènes. L'expansion de la production d'élevage et l'intensification de l'élevage créent
les conditions idéales pour permettre au virus d'entrer dans des populations et de se diffuser. Si on y ajoute la pollution, si on ajoute la pauvreté que l'on voit dans beaucoup de pays qui conduit une croissance économique rapide, alors on voit les causes sous-jacentes de ces pandémies. Il suffit donc d'analyser ces facteurs et de les représenter dans des cartes pour pouvoir prédire l'origine des prochaines pandémies. Donc, à travers le monde, nous pouvons travailler sur le terrain dans les lieux qui sont susceptibles d'être à l'origine des prochaines pandémies, c'est-à-dire Asie du Sud-Est, Asie du Sud, certaines parties de l'Amérique latine, certaines parties de l'Afrique centrale et de l'Ouest sont vraiment des points chauds. Et nous savons que ce sont des endroits où beaucoup de maladies émergent. Mais en Europe aussi, on voit apparaître des infections alimentaires. Nous voyons le développement de résistance antimicrobienne aux États-Unis. Donc, si nous parvenons à comprendre quelles sont les activités qui conduisent à ces maladies, nous pouvons ensuite aller sur le terrain et nous préparer pour intervenir. Par ailleurs, on peut aussi prédire combien de virus inconnus sont peut-être présents dans la vie sauvage et pourraient émerger à l'avenir. Environ 1,7 million de virus inconnus ont été découverts et sont susceptibles d'infecter des humains. On prévoit qu'entre 631 000 et 827 000 virus pourraient émerger dans notre population dans les 50 000 années à venir. Donc, nous devons aller au-devant de ces virus et nous préparer, créer des vaccins, créer des thérapeutiques qui peuvent fonctionner en anticipant leur émergence. Nous pouvons intervenir dans les communautés qui sont en contact étroit avec ces animaux et les protéger et aider ces gens à vivre des vies plus saines et à prendre moins de risques pour ne pas contracter ces maladies. C'est ce qui me paraît le plus logique à moi et à beaucoup de scientifiques. Et c'est pour cela que IPBES a produit récemment un rapport sur les pandémies pour examiner vraiment ces questions et pour recommander des politiques qui peuvent être adoptées pour la prévention. Et d'ailleurs, nous ne devons pas juste considérer les problèmes liés à la pandémie. Il y a des coûts économiques. On estime qu'un trillion de dollars par an environ a été le coût de ces éruptions de maladies, de ces nouvelles maladies qui sont transmises des animaux aux humains. Et la grosse ombre noire que vous voyez sur la droite de l'écran, c'est le COVID-19, qui, tout compte fait, au bout du compte, finira par avoir coûté à la planète des dizaines de trillions de l'Europe en pertes économiques, en plus de la mortalité. Donc, avec ce niveau d'impact, il paraît évident que nous devons dépenser de l'argent pour la prévention. Pas simplement attendre que la maladie émerge, nous précipiter pour développer un vaccin, et en attendant ce vaccin, des millions de personnes vont mourir. Évidemment, nous avons besoin de vaccins, mais cette période d'attente n'est pas tenable s'il y a des pandémies qui émergent de manière de plus en plus rapide, comme nous prévoyons que ce sera le cas. La prévention des pandémies pourrait coûter des dizaines de milliards de dollars, alors que les coûts sont beaucoup plus dans la région d'un trillion de dollars. Donc, un retour sur investissement de 50 pour 1. Donc, la première étape, c'est d'aller sur le terrain, de faire les études scientifiques qui sont nécessaires, et c'est de cela que je parle aujourd'hui. La deuxième étape, c'est de parler aux communautés exposées à ces risques pour empêcher que ces phénomènes se reproduisent. La troisième étape, c'est de parler aux décideurs politiques et de faire en sorte qu'ils changent les politiques pour traiter les risques pandémiques. Je pense que nous devons former des politiques de haut niveau. Je sais que le gouvernement français a partagé très activement à ce travail. Nous avons besoin d'une approche unifiée et surtout, nous devons tous jouer un rôle dans ce processus. Depuis les scientifiques que vous allez écouter aujourd'hui, qui travaillent sur ces thématiques, qui travaillent dans des lieux qui sont difficiles à atteindre, sur des questions très complexes, mais il s'agit aussi de travailler avec les communautés qui vont devoir réévaluer leur rapport avec la nature pour réduire les risques. Mais nous, quand nous visitons, en tant que consommateurs, quand nous visitons nos marchés, nos supermarchés, quand nous achetons des vêtements, nous devons réfléchir aux choix que nous faisons. Si nous achetons une veste avec un col de fourrure qui vient d'un élevage en Asie, qui vient d'animaux qui pourraient porter des coronavirus, alors nous faisons nous aussi partie du problème. Donc ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous devons faire partie de la solution. Et je pense que c'est là que nous avons tous un rôle à jouer. Je vous remercie pour votre invitation et j'ai hâte d'entendre la suite des présentations. Merci.
Merci beaucoup, Peter. Vraiment un immense merci. On a entendu parler de systèmes complexes, on a entendu parler de comportements humains. Et justement, ce qu'on voudrait dans l'émission, c'est contraster maintenant le point de vue de Peter avec un point de vue d'une anthropologue, avec des analyses qui sont différenciées, et notamment pour revenir sur ce concept de One Health qu'on doit construire avec toutes les disciplines, y compris l'anthropologie. Et Laetitia Atlanidio va justement nous parler, en revenant un petit peu sur ce contexte One Health, en voyant comment on a une réflexivité de la part des sciences sociales sur ce contexte. On écoute donc Laetitia. Et c'est vrai que quand on est un chercheur qui nous intéressons, qui nous penchons sur ce qui se joue actuellement dans le domaine de la santé publique, et en particulier de la santé publique internationale, on ne peut pas s'empêcher de se demander est-ce qu'à chaque nouveau terme, on est face à un effet de mode ou est-ce qu'on est face véritablement à chaque fois à un vrai renouvellement paradigmatique. Et on ne peut pas s'empêcher, ne serait-ce qu'en pensant à deux des termes qui ont été mentionnés, One Health et Global Health, de se poser ce type de questions. À première vue, il semble acquis que nous sommes en présence de projets intellectuels et d'actions qui sont déjà anciens, déjà incarnés dans une succession de champs de légitimation intellectuelle et actuellement réaménagés. Pour autant, et ça c'est une seconde lecture qui est possible de ce qui se joue, on peut faire le constat d'une nouvelle période de la santé publique aujourd'hui, marquée par l'avènement d'une santé désormais pensée comme non seulement globale, mais une, avec One Health. Alors, ce sont des mots-clés devenus incontournables, des buzzwords, comme on peut dire dans le monde anglo-saxon. Aucun consensus réel ne s'établit sur leur définition, il y en a énormément. Pour en prendre deux, très vite, encore une fois, le film était aussi très intéressant et très informatif à ce sujet. Il y a une des définitions qui est fréquemment reprise de la santé globale qui avait été proposée en 2008 par un anthropologue, Mark Nichter, qui soulignait que la santé devient globale quand les problèmes de santé transcendent les frontières nationales, peuvent être influencés par les circonstances ou les expériences d'autres pays et appellent des réponses collectives. Du côté de One Health, c'est la même chose, il y a énormément de définitions. Je voulais en rappeler une là, juste pour montrer aussi que finalement le concept est déjà ancien. 2011, un document stratégique du ministère des Affaires étrangères français qui proposait une stratégie, une définition de One Health, une approche intégrée de la santé qui repose essentiellement sur le renforcement des collaborations entre santé humaine, santé animale et prise en compte de l'environnement. Donc, autant santé globale que One Health sont finalement déjà des concepts relativement anciens. Et si on, au-delà de la multiplicité de leurs définitions, on peut revenir sur deux caractéristiques communes qui se dégagent et qui les rassemblent. Premièrement, le fait qu'ils dépassent les frontières. Cette échelle transnationale se trouve renforcée par les multiples mouvements de circulation des hommes, des produits et des techniques. Et les deux concepts soulignent, réaffirment cette échelle transnationale. Alors, c'est vrai, pour les gens qui sont familiers de l'histoire de la santé publique, cette nouveauté réaffirmée de ce transnationalisme, de ce transfrontiérisme, n'en est pas tout à fait une. On se rappelle, par exemple, de la création de l'OMS en 1948 et sa prétention de gouvernance mondiale de la santé, déjà. On se rappelle aussi, autre exemple, de la déclaration d'Alma-Ata en 1978 et l'édiction de dogmes à vocation universelle, dont les soins de santé primaires. Deuxième chose qui les rassemble, leur volonté de répondre à des nouvelles menaces sécuritaires. Et là, clairement, tournant est à noter avec la diffusion d'infections mondiales de type VIH, le SRAS, la grippe aviaire, H1N1, Ebola et maintenant Covid-19, qui ont clairement renforcer la volonté de produire des modes d'interprétation du monde et des façons de répondre aux crises sanitaires qui auraient entre autres pour objectif de répondre à ces nouvelles menaces sanitaires. Mais donc, en conclusion, deux concepts tout à fait complémentaires, pas si nouveaux que ça, mais absolument nécessaires aujourd'hui, en particulier après la pandémie de Covid-19 que nous venons de vivre, mais qui ne doivent pas pour autant faire oublier que l'un et l'autre sont le fruit d'une histoire longue, qui est une histoire de la santé publique. Donc on s'inscrit vraiment dans une histoire longue, avec régulièrement des innovations, et on est clairement avec ces deux concepts face à des nouvelles tentatives finalement
de refonder la santé publique. Refonder la santé publique, c'est vraiment nécessaire, tant au niveau national qu'international. On l'a vu avec la pandémie Covid-19. Et d'ailleurs, une nouvelle mission pour essayer de penser la refondation de la santé publique française vient d'être décidée par le ministère de la Santé français et doit être annoncée ces jours-ci. Alors, parmi les nombreux chantiers qui s'annoncent, j'aimerais revenir sur un de ces chantiers, un petit, qui a une ambition assez forte, mais qui est très limitée dans son champ, puisqu'il s'intéresse à un sujet en particulier, tout ce qui relève des traces et mémoires de la pandémie Covid-19, tant à l'échelle de la société française qu'au plan international, et en particulier en Afrique. C'est une initiative qui est devenu un institut qui s'appelle l'Institut Covid-19 Ad Memoriam et qui est porté par l'IRD et par l'Université de Paris. Le Covid-19 Ad Memoriam a pour ambition de collecter, archiver et analyser tout ce qui relève de traces et mémoires ordinaires ou extraordinaires de la pandémie Covid-19, à la fois pour construire ce qu'on a appelé un lieu de mémoire numérique de la pandémie et pour tenter de contribuer à la préparation de crises sanitaires à venir. Alors, l'Institut se repose sur une logique partenariale très forte. Par exemple, parmi tous les partenaires, sont présents les grandes institutions de recherche françaises, que ce soit l'INSERM, le CNRS, Sciences Po, l'ENS, Institut Pasteur, etc. Des institutions de santé, l'Organisation mondiale de la santé, appuie très fortement l'Institut Covid-19 Ad Memoriam de l'IRD de l'Université de Paris, mais aussi Santé publique France, le Haut Conseil de santé publique, le CCNE, etc. Des associations de victimes, beaucoup, des représentants de la société civile, ATD Garmonde, par exemple, et d'autres, beaucoup de professionnels du monde de la justice, du droit, toutes les grandes communautés religieuses et le monde des arts et de la culture. Donc, des mondes très différents, pour dépasser un socle uniquement académique pour cet institut dont, encore une fois, l'objectif est de participer de la collecte de tout ce qui relève de traces et mémoires de la pandémie. Alors, des traces et mémoires individuelles par la collecte de témoignages individuels de nos expériences, tout un chacun de cette pandémie, quelles que soient nos expériences, quels que soient nos pays, avec des documents écrits, des photos, des vidéos, de la musique, etc. Mais aussi ce qu'on a appelé des mémoires collectives. Et pour vous donner deux ou trois exemples, l'Institut Pasteur a décidé de déposer sa mémoire de la recherche sur Covid-19 sur la métaplateforme numérique de l'Institut Covid-19 Ad Memoriam et de lancer des grosses enquêtes pour 2 ans de l'intérieur de l'Institut Pasteur, des enquêtes anthropologiques, sociologiques, etc., avec des archives orales, de la collecte de photos, de documents, de vidéos, etc. Et puis, autre exemple, la mairie de Paris a également décidé de lancer une grosse enquête sur la mémoire des Parisiens en temps de pandémie avec l'Institut Covid-19 Ad Memoriam. Les exemples sont nombreux. La Fédération hospitalière de France, qui rassemble tous les hôpitaux publics et les EHPAD, est également dans une logique de partenariat pour collecter les témoignages et les expériences des soignants du public impliqués dans la recherche Covid-19. On est en train de développer la même initiative dans 2 pays d'Afrique subsaharienne que sont le Burkina et le Ghana. Et puis, autre exemple peut-être, et je finirai là-dessus pour l'Institut Covid-19 Ad Memoriam, l'objectif au-delà de la collecte, au-delà de l'archivage, au-delà de l'analyse des traces et mémoires de la pandémie, c'est aussi de fabriquer du commun, de fabriquer des réflexions communes. On vient de lancer toute une série de colloques et de conférences, je ne reviendrai pas sur leur thème, c'est accessible sur le site de l'Institut. L'objectif aussi, c'est d'accompagner l'invention de nouvelles pratiques commémoratives, que ce soit des journées d'hommage, par exemple, aux Parisiens décédés du Covid-19 avec la mairie de Paris, ou de célébration du personnel soignant avec la Fédération hospitalière. Face aux risques sanitaires globaux, il ne peut y avoir d'espérance sans mémoire. Et comme on aime à le dire à l'Institut Covid-19 Ad Memoriam, vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Alors, un reportage important, un témoignage important de Laetitia qui montre que la création de ce concept One Health doit effectivement faire intervenir une grande variété de disciplines. On l'a vu avec Peter tout à l'heure sur l'écologie des maladies. On le voit maintenant sur les aspects plus anthropologiques, de mémoire, de psychologie. Préparer la prochaine crise, ça se prépare effectivement en sachant
où vont être les prochaines émergences, mais aussi en préparant la mémoire collective et la mémoire d'une société. Donc on voit véritablement l'interaction qu'il doit y avoir entre les différents chercheurs grâce à ces deux présentations. Nous allons passer maintenant à la deuxième séquence de notre émission, Hello Africa and America. Alors, pour démarrer cette séquence, nous allons regarder une séquence hip-hop. Donc, hip-hop, ce sont ces petites ondes participatives, le fruit d'une collaboration entre l'IRD et RFI Planète Info. Ce sont des témoignages réellement de populations locales. Et aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage d'un pêcheur de la ville de Bukavu. Ça se trouve dans l'est de la République démocratique du Congo. Et vous allez voir un petit peu comment sont soumises ces populations à certains problèmes de santé, les multiples dimensions de la santé. C'est un reportage de Expedit Kialou. Jina la Bunjogo Kumecho ex Bumba na kwa hapo share izaliwa 1954 hapa Mulambula quartier Kasha Kumu de Bagira ile makati uchafu ilikuwa mayalala ile makati zamani meme hata huko msoko ya brasserie uchafu ilikuwa ya mingi mingi sana hiyo uchafu ilikuwa hapa brasserie juu ya kukosa fasi ya kutupa uchafu. Ile uchafu inatokana na wenye wanauzisha tu msoko, leta majani, mayani ya mashu, ya malengalenga na mingine tu. Hii zina ya kufanya pombe. Inaleta mauchafu, tuseme ile harufu, na mule matanki yao mnatoka harufu sana, na ile harufu inaingia na panda, hapa inaweza ingia hata kuchafu na msoko. Ile uchafu yao ni OIZ, ndio wakaifanyizia izine sasa hapa. Pembeni ya soko, ile harufu pekee na deranja kabatu sana sana. Inafika hata makartie. Kwanza mpaka hivi niko naona sawa ndo yenye kuna huwa watu mwa ikartie. Huku watu wanapata malaria. Kichwa inaluma mtu anakufa direkte. Ile sosiete inauzisha inatengeneza mabinini. Ile inatumaga mchafu. Mule mumaji, mulaki kwa. Sama hata samaki zinakufaga hata mulaki. Kwa kuwa hali inaweza kuwa mzuri zaidi saa vile meri iletaka motogari kama itakuwa inasomba hii uchafu tusaidia si population kwanza batujengea hata dispensaire mwa tuko tunapata madawa kiba toto bako bana gonjwa na bazee bana gonjwa tunaona sawa ni jere uchafu yake ya kunuka mie sawa mkaji wa brasserie na mimi nakumalia brasserie naweza penda population ya brasserie ijikaze kufanya salo kusudi tusipate magonjwa. Alors le saut peut paraître énorme entre les présentations de Peter et de Laetitia, mais en fait, la réalité du terrain, la complexité du terrain, c'est véritablement quelque chose auquel sont confrontés les chercheurs, et notamment les chercheurs sur les domaines écologiques, sociaux. Et nous allons avoir un témoignage justement de Laetitia qui va réagir à ce témoignage en nous expliquant comment on peut l'étudier, notamment vis-à-vis des sciences sociales. Ce film me permet de rappeler qu'à l'IRD, beaucoup de chercheurs, pas seulement en santé, mais aussi en sciences sociales, et je pense en particulier à des chercheurs de l'IRD ou associés à l'IRD en géographie du développement, en sociologie du développement, en anthropologie du développement, travaillent depuis longtemps, par exemple, sur la question de la gouvernance des déchets urbains en Afrique. Et leur travail va pouvoir illustrer un peu aussi ce que, sur ce type de sujet, les sciences sociales peuvent apporter comme éclairage. Je voudrais juste donner un exemple. Une étude qui avait été menée en 2005, déjà, par la géographe Elisabeth Doré-April et Cécilia Menet, deux géographes, et qui portait sur la transformation de la gestion des déchets urbains au Mali et au Bénin. Et elle montrait que l'influence des modèles de gouvernance locale prônés par certains bailleurs de fonds de l'aide au développement y était déclinée en deux temps. D'un côté, l'aide des agences multilatérales était conditionnée au dégraissement, je les cite, des services municipaux et au licenciement des professionnels de la gestion des déchets. De l'autre, elle montrait que ces mêmes agences d'aide au développement
financer des programmes d'assistance à des ONG locales chargées de remplacer les services municipaux vidés de leur capacité d'action. Et elle montrait que ces ONG étaient parfois créées même pour l'occasion et qu'on y retrouvait parfois aussi des professionnels de la gestion des déchets licenciés par les municipalités. Ces ONG montraient ainsi des capacités de rebondissement et d'adaptation au contexte sans cesse mouvant de l'aide au développement. Mais si ce système de gestion délégué des services urbains de base auprès d'ONG locales a parfois pu être qualifié de gestion partagée, les auteurs soulignaient que la discorde et la concurrence sont le plus souvent de mise entre ONG, services marchands, travailleurs informels et municipalités. Et dans ce contexte de gestion disputée, elle s'interrogeait sur les marges de résistance qu'ont les élus municipaux face à la prise en main de la gestion des villes, parfois par le couple bailleurs internationaux, ONG locales. Donc ça donne un exemple de ce que, dans le domaine de la santé publique, plus précisément sur la question de la gestion et de la gouvernance des déchets urbains en Afrique, les sciences sociales, par exemple, et en particulier les sciences du type sociologie, géographie, sciences politiques, anthropologie, politique du développement, peuvent apporter à la compréhension de ce qui peut se passer actuellement dans des situations comme très bien montré dans ce film. Donc, une longue histoire à l'IRD, aussi sur ces sujets-là. Alors effectivement, ce qui est important dans le témoignage de Laetitia, c'est l'importance d'aller voir les causes des problèmes. On a une approche One Health, là, elle était véritablement transcrite en termes de déchets, mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut aller comprendre, notamment d'un point de vue social, politique, quelles sont les causes des problèmes avant aussi de traiter les conséquences. Peter, maintenant, je voudrais revenir vers vous. Vous demandez aussi ce que vous ressentez en regardant ce témoignage de ce pêcheur et de la complexité, finalement, de ce problème de santé. Oui, ce que je vois dans cette vidéo, c'est ce que je vois dans quasiment tous les pays où nous travaillons, c'est-à-dire des communautés qui comprennent ce qui se passe. Les gens savent qu'il y a un problème. Ils le voient tous les jours, ils vivent au sein de ce problème. Ils voient la pollution, ils voient qu'il y a un lien avec les maladies et avec la santé de leur communauté. Et c'est très facile à comprendre, donc c'est vraiment terrible de voir que les gouvernements ne font rien. Ces gouvernements sont contraints par les sources de financement et parfois ils ne parviennent pas à voir les directions à prendre. Et parfois ils n'ont pas non plus les accès aux études scientifiques nécessaires. Donc ce que ça me dit, c'est qu'il y a vraiment un rôle essentiel pour la science à jouer dans ces situations, pour les approches EcoHealth, pour essayer de comprendre les problèmes, mesurer les problèmes et trouver les liens entre pollution, comportement dans la communauté et problèmes sanitaires. Et si nous parvenons à démontrer ces liens aux décideurs politiques, alors ils seront plus susceptibles de voter les budgets nécessaires pour résoudre ces problèmes. Si nous parlons aux leaders dans les communautés, si nous leur demandons de nous laisser entrer dans ces communautés pour les étudier, nous aurons des données plus efficace pour comprendre ce qui se passe sur le terrain. C'est vraiment ça le travail qui doit se faire maintenant. Je pense qu'il faut vraiment, il y a un gros besoin de ce genre de travail dans le contexte du Covid et de la prévention de pandémies futures. Il y a beaucoup d'endroits à travers le monde qui souffrent du Covid et qui souffriront encore quand nous serons tous vaccinés, puisqu'ils n'ont pas accès aux mêmes choses que nous. Et je pense que tout le monde sur la planète reconnaît aujourd'hui que tout est connecté. Ce qui se passe dans des pays très éloignés de là où nous sommes peut potentiellement nous affecter tous. Donc, je pense qu'il y a vraiment des grosses leçons à apprendre, et en particulier vraiment sur le rôle que les scientifiques peuvent jouer pour promouvoir des mesures politiques et vraiment montrer aux décideurs politiques, aux gestionnaires des ressources, exactement la nature de des problèmes qui se posent. Merci beaucoup, Peter. Je voudrais maintenant continuer ce dialogue croisé que nous avons débuté entre le Congo et le Mexique. Et je voudrais donner la parole à Francine Ntoumi. Francine, merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Je voulais savoir ce que ça vous inspire, ce que vous inspire ce témoignage.
Alors, merci beaucoup. Alors, ce témoignage, pour moi, est très parlant parce que ce qu'on a montré là en République démocratique du Congo, je vois la même chose en République du Congo et je l'ai vu dans beaucoup d'autres pays africains. L'association déchets, eaux usées, pollution aérienne, la population qui constate et il se passe pas grand chose ou en attente de financement extérieur. Mais ce qui est très important, ce qui a été souligné par Peter et Laetitia, effectivement l'implication des socio-anthropologues locaux. On les voit peu, même dans la COVID, on les a peu vus pour pouvoir aider à répondre à la crise. Et là, on voit bien leur importance. Cette discipline scientifique est encore trop ignorée en Afrique et il faudrait vraiment que ces acteurs participent auprès des acteurs de la santé publique pour vraiment améliorer la gouvernance des déchets. Voilà ce que cela m'inspire. Vraiment, la science, encore une fois, doit être au cœur, mais pensons vraiment aux socio-anthropologues et à ces acteurs-là. Merci beaucoup Francine. Je voudrais poser en fait la même question à Gerardo. Maintenant, depuis le Mexique, ce témoignage qu'on a vu notamment donc au Congo, ces problèmes de contamination, ça fait résonance quelque part à des situations que tu peux observer aussi au Mexique. Hello. Bonjour, oui, c'est très important au Mexique. Nous avons des problèmes très semblables qui sont vraiment répartis à travers tout le pays. Nous avons des problèmes sanitaires qui sont liés aux industries, beaucoup de métaux lourds qui sont déversés dans les lacs et dans les eaux. Les industries et aussi les marchés alimentaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Mexique, il y a beaucoup de ministères qui travaillent indépendamment. Par exemple, un ministère qui travaille sur la surveillance de la pollution de l'air à Mexico. Et ils ont des données très intéressantes. Et ensuite, il y a d'autres ministères qui surveillent la pollution des sols, d'autres ministères qui examinent la perte de biodiversité. Mais le plus intéressant, c'est que il n'y a pas d'approche liée entre les différents ministères. Donc, il y a des gros gaspillages d'argent dans ce qui est investi sur ces problématiques. Il n'y a pas de solutions intégrées qui sont développées. Et nous devons travailler de manière plus collaborative entre les ministères et avec les scientifiques pour apporter différentes données. Ici, vous voyez un exemple de la manière dont la pollution de l'eau affecte le Mexique. Donc, il y a la qualité de l'eau qui est surveillé chaque semaine. Nous avons des données très intéressantes, mais comme il n'y a pas de travail collaboratif, ça rend plus difficile d'apporter des solutions importantes pour la santé. Je pense que c'est quelque chose qui nous manque au Mexique. Merci Gerardo. Ces problèmes de silos, les scientifiques les ont, mais effectivement, dans les ministères, on a aussi ce même type de problème et c'est véritablement quelque chose qu'on doit construire tous ensemble. Maintenant, je voulais revenir vers vous, Francine, et vous poser une question un peu plus globale. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Et je voulais vous demander, par rapport à ce qu'on a entendu, notamment au début d'émission, par Peter et Laetitia, cette approche One Health, cette compréhension à la fois par un écologue des maladies et à la fois par une anthropologue, quelles sont les actions que promeut cette fondation et en quoi on peut les replacer justement dans cette approche One Health? Alors, donc, la Fondation congolaise pour la recherche médicale donc, a pour objectif donc, de soutenir l'effort national dans la recherche biomédicale. Et donc, en particulier en conduisant des activités de recherche relevantes sur les maladies infectieuses relevantes pour le pays et beaucoup d'activités de formation et de plaidoyer pour un plus grand soutien à la recherche. Alors, en ce qui concerne One Health, une santé, la Fondation, depuis 2018, coordonne et responsable d'un projet Pandora, qui est un projet panafricain qui comprend 24 institutions, donc comprises en Europe, 4 pays d'Europe et 9 pays africains. Et le but, c'est de la préparation donc, à la réponse aux épidémies, aux flambées épidémiques dans nos pays. Et la préparation et la réponse. Et donc,
Nous, dans le terme d'activité, depuis 2018, nous avons eu la fièvre Lassa au Nigeria, chikungunya, épidémie de chikungunya au Congo et la COVID, pour ne citer que celle-là. Et nous avons été très impliqués dans l'engagement des communautés très importantes, tous ensemble, en bénéficiant justement de l'expérience de nos collègues du Nord qui venaient appuyer les différents pays. Ensuite, la collaboration avec l'OMS, les ONG locales et internationales, l'OMS, l'Africa CDC, très important, les décideurs locaux, tout ce que l'on faisait, évidemment, doit s'inscrire dans l'effort des pays pour la réponse, la préparation et la réponse. Mais le plus important en matière de recherche, c'est de fournir les données de base, parce que malheureusement, beaucoup de nos pays n'ont pas de nos pays en Afrique, je veux dire, n'ont même pas les données de base de certaines maladies, de certaines infections à potentiel épidémique ou en cours d'épidémie. Donc, notre rôle, c'est de fournir des données fiables pour que les autorités puissent après les utiliser pour préparer, pour appuyer leurs réponses. Donc, voilà les points vraiment très importants. Et donc, nous, One Health, cette approche One Health est très importante parce que, autre point très important que je soulignais tout à l'heure, les sciences sociales, on se rend tellement compte qu'elles sont peu incluses dans l'arsenal de la réponse contre les épidémies. Il faut que cela cesse absolument. Et les vétérinaires aussi, nous avons peu de vétérinaires impliqués dans les activités de recherche. Et là aussi, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un gros effort à fournir et c'est ce que nous essayons de faire avec Pandora. Donc, Merci beaucoup Francine. Francine et Gerardo, on vous retrouve un peu plus tard dans l'émission. Hein, importance de l'interdisciplinarité, importance d'articuler la science et l'action et aussi d'avoir des données fiables. On va aller petit à petit justement vers trouver des solutions avec notre troisième séquence, Hello Solutions. Alors, pour introduire cette séquence Hello Solutions, je vous propose de suivre l'interview, le témoignage d'une femme, une femme qui maintenant lutte depuis plusieurs années justement pour mieux comprendre cette interface entre politique et santé. Cette femme, c'est Marie-Monique Robin, elle est journaliste d'investigation. Elle vient de sortir récemment un livre intitulé La fabrique des pandémies, dans lequel elle présente justement ses preuves scientifiques et elle fait le lien entre le public, le grand public et ses pandémies. On écoute tout de suite Marie-Monique. Le cœur de cet ouvrage, c'est donc d'explorer le lien entre la biodiversité et la santé, et en particulier avec l'émergence de nouvelles maladies infectieuses. C'est un livre de confinement que j'ai réalisé en interviewant 62 scientifiques issus des 5 continents. L'ouvrage est fondé sur ces entretiens, mais aussi sur toutes les études qui ont été réalisées par ces scientifiques. Pour moi, ça a été une expérience très forte d'interroger tous ces scientifiques. J'étais aussi impressionnée par le fait qu'ils avaient tous envie de parler. Parce qu'ils étaient assez déprimés. Je rappelle, c'était pendant le printemps, donc 2020, hein, pendant le premier confinement. Déprimés de voir ce qui se passait, quoi. Parce que quelque part, ils se disaient, on savait que ça allait se passer, et on ne nous a pas écoutés. Et donc, ils avaient vraiment envie de communiquer leur savoir, leur connaissance. Donc, c'était un échange très intense. Ce livre est sorti en février, donc 2021. Et je suis très heureuse parce qu'on vient de passer les 30 000 exemplaires vendus. Donc, ça veut vraiment dire que c'est un sujet encore méconnu et qui suscite un intérêt important. Mon métier, c'est d'être une passeuse, hein, c'est de transmettre, et donc ça a évidemment une fonction sociale, hein, c'est-à-dire, moi je pense que le rôle des journalistes, c'est d'informer pour que les citoyens et citoyennes puissent agir ensuite en ayant en main toutes les informations validées. Donc effectivement, on peut considérer que c'est un rôle de lanceur d'alerte. Les scientifiques de ce livre sont des lanceurs d'alerte aussi, dans la mesure où ils ont mis au jour des mécanismes extrêmement importants qui sont pour l'instant ignorés et qu'en plus ils ne sont pas entendus, donc ce sont des lanceurs d'alerte. Je soutiens aussi ce que j'appelle les lanceurs d'avenir, c'est-à-dire ceux qui montrent qu'on peut faire autrement et qu'on doit faire autrement. Et que si on le fait, eh bien ça sera bon pour tout le monde. C'est aussi ce que préconisent les scientifiques de mon livre ou du film. Ils parlent d'une science des solutions, justement. Ils disent... vraiment à l'unanimité, hein, quel que soit le continent où ils sont installés, ils disent
on ne peut plus faire la science ou faire de la recherche comme on le faisait au XXe siècle, n'est-ce pas ? On a des enjeux énormes que nous devons collectivement relever. Il faut avoir une vision holistique, globale, hein, qui permette de reconnecter tous les enjeux ensemble. Et donc aussi, ça veut dire qu'on encourage une science pluridisciplinaire. On fait intervenir les compétences qui peuvent être d'excellence, hein, dans chaque discipline pour trouver des solutions à ces défis auxquels nous sommes confrontés. Alors, des citoyennes comme Marie-Monique font bien sûr partie des solutions, des personnes qui sont à l'interface entre les chercheurs et le grand public pour transmettre véritablement les nouveaux savoirs. Maintenant, dans cette séquence, on va parler d'un cas particulier au cœur du Mexique, un laboratoire mixte international qui a été développé par l'IRD, et on va dialoguer avec les deux co-directeurs de ce laboratoire mixte international, Gerardo, qu'on vient de voir juste avant et qu'on a vu aussi dans le reportage de Marie-Monique, et aussi Benjamin Roche, qui vont être tous les deux avec nous. Gerardo, je voudrais commencer avec toi. Je voudrais que tu nous présentes brièvement l'objectif et ce que fait ce laboratoire mixte international au Mexique. Bonjour. C'est une collaboration internationale. Nous travaillons en collaboration depuis longtemps. Nous avons développé un projet qui s'appelle Écosystème, Biodiversité, Habitat, Modification et Risque d'émergence des pathogènes et des maladies au Mexique. Donc, c'est une collaboration entre les Français et les Mexicains. Notre objectif de base, c'est de développer des stratégies de conservation et en même temps développer des systèmes de prévention du risque, de prévention des maladies qui soient menés conjointement avec des projets de conservation. Donc, les objectifs, c'est d'améliorer notre connaissance des relations entre les altérations des écosystèmes, les comportements humains et les risques d'émergence d'infections zoonotiques, apporter des stratégies scientifiques et intégratives pour la santé publique et les autorités environnementales qui associe santé humaine, conservation de la biodiversité et croissance économique, et ensuite développer les capacités régionales pour faire du Mexique un leader régional et mondial sur ces questions à travers la collaboration avec l'IRD et la création d'un nouveau centre sur le campus UNAM. Donc c'est une approche multipathogène, multibactérienne et très polyvalente. C'est un programme qui intègre différentes disciplines, sociologie, anthropologie, mathématiques, biologie, et nous travaillons avec des secteurs de santé publique, de santé vétérinaire. Donc, nous définissons différents pôles. Nous travaillons dans la péninsule du Yucatan, dans le sud-est du Mexique, et nous avons identifié différents facteurs de transmission des maladies. Et il y a des changements dans le paysage qui font que les relations entre espèces changent et que les risques augmentent. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que nous collaborons avec différentes institutions internationales et nationales, et en même temps, nous développons un programme académique, un programme d'études pour le Mexique, mais aussi en collaboration avec d'autres pays d'Amérique latine et des Caraïbes, pour intégrer la collaboration entre professeurs, étudiants et travailler directement avec les champs concernés pour reproduire des méthodologies, des approches dans différents pays. Donc, il s'agit de créer un réseau pour apporter des informations et en même temps former, enseigner, et travailler avec le public et avec les gouvernements pour apporter des nouvelles solutions de conservation et de santé. Donc voilà l'idée du projet Eldorado. Merci beaucoup, Gerardo, pour cette mise en contexte. On va justement creuser un petit peu plus sur ces interactions avec le public et ces solutions. Je vais donner la parole maintenant à Benjamin Roche, qui est donc co-directeur de CLMI. Benjamin, en termes de solutions concrètes, quelles sont les pistes qui sont maintenant poursuivies par ce LMI ? Oui, merci Olivier. Donc l'idée, effectivement, comme l'a dit Gerardo, c'est d'arriver à vraiment comprendre et caractériser ces liens qu'il y a entre activité humaine, dégradation de l'environnement et augmentation du risque d'émergence de zoonoses.
Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à tester comment les différentes stratégies de conservation, que ce soit la protection complète, que ce soit l'interdiction de la déforestation, que ce soit le développement d'agriculture plus raisonnable, comme l'agriculture sylvopastorale, peuvent moduler le niveau d'exposition des populations humaines aux principaux pathogènes zoonotiques. Mais l'idée de ce LMI, c'est tout d'abord d'apporter la preuve de concept scientifique qu'une bonne gestion des écosystèmes peut permettre de réduire les risques zoonotiques sans pénaliser la productivité des populations locales. Parce que quand on va, effectivement, quand on travaille dans le Yucatan, qui est l'une des régions les plus pauvres du Mexique, quand on leur dit que ce type d'agriculture intensive, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, peuvent donner lieu à de nouvelles pandémies, évidemment, eux nous répondent que c'est le jour même qu'ils ont besoin de manger. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à trouver ce meilleur compromis, la meilleure stratégie de conservation, de protection de l'environnement qui puisse être implémentée et implémentée de façon durable. Parce que là, on n'est pas en train de parler d'un vaccin où on a une injection et puis on est protégé pendant longtemps. Là, on parle de stratégies qui doivent être implémentées sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et c'est pour ça que ce qui est aussi important, c'était la dernière diapositive de Gérardo, c'est de montrer que ce type de stratégie est implémentable. Donc c'est pour ça qu'on travaille aussi avec les différentes agences de santé, avec l'État du Yucatan, avec le gouvernement fédéral mexicain, pour justement que ce territoire du Yucatan devienne le premier exemple de territoire où on a implémenté vraiment une stratégie de prévention One Health pour réduire l'émergence de zoonoses dans les années à venir. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter cet exemple, cette preuve de concept concrète que ce type de stratégie de prévention peut fonctionner et peut être implémenté sur le long terme. Tu as parlé effectivement de l'interaction notamment avec les populations locales. Alors justement, les scientifiques se creusent la tête pour savoir comment mieux encore communiquer leurs résultats et ce qu'ils font en termes de recherche avec les populations locales. On va voir un exemple qui a été développé par le CIRAD en partenariat aussi avec l'IRD, avec l'OIE et différentes UMR sur Montpellier notamment, pour essayer d'avoir de nouvelles approches pour interagir avec ces populations. C'est un jeu sérieux. Alors qu'est-ce que c'est ? La réponse tout de suite. Alors pourquoi un jeu sérieux ? Parce qu'on sait que l'on retient 10% de ce que l'on nous dit, mais on va retenir 80% de ce que l'on va expérimenter. Donc l'objectif pour nous, c'était de créer un outil facile d'utilisation sur le terrain et qui permette aux gens d'expérimenter qu'est-ce qu'une chaîne de surveillance afin de mieux comprendre d'une part la complexité d'un système de surveillance, mais aussi que les acteurs comprennent bien leur rôle, leur responsabilité, leur place dans ce système et qu'ils puissent prendre les mesures de contrôle, les actions adéquates pour éviter la propagation d'une maladie et limiter son émergence. Donc c'est un jeu collaboratif destiné aux acteurs des systèmes de surveillance. Et donc l'objectif est de limiter la propagation d'une maladie en reconstruisant une chaîne de surveillance. Donc on commence à un point et on doit limiter la propagation de cette maladie. Donc il y a une première carte qui est tirée au sort. En l'occurrence là, c'est un éleveur qui observe attentivement son troupeau pour identifier des signes suspects de maladie. Et donc les joueurs doivent reposer les cartes qu'ils ont en main en fonction de cette première carte et pour reconstruire la chaîne de surveillance. Donc la première carte que j'ai là, c'est un éleveur qui découvre des morts inexpliquées d'animaux sauvages et qui s'inquiète pour ses animaux. Et donc le joueur choisit de placer sa carte avant ou après la carte au centre. Et ensuite, quand il a discuté avec l'ensemble des joueurs, retourne la carte pour voir s'il l'a bien placée. Donc là, on peut voir que les chiffres ne se suivent pas. Donc il y a eu une erreur. La carte aurait dû être placée ici. Et donc, quand ils se sont trompés, le risque de propagation augmente d'une case. Donc le deuxième joueur prend une carte. Là, c'est la carte chef de poste eau et forêt qui alerte la direction des parcs nationaux et la direction régionale de l'environnement. Donc, choisis de le poser après la carte éleveur, la retourne et effectivement, c'est la bonne position. Donc, on se rend compte que la chaîne de surveillance est respectée parce qu'on suit les numéros, mais aussi on voit qu'il y a différentes couleurs parce qu'on partage de l'information du niveau local jaune au niveau national violet. Et donc, on a les différentes cartes des différents niveaux qu'on positionne ensuite au fur et à mesure du jeu. Et on voit bien à la fin que la chaîne de surveillance est respectée, c'est-à-dire que les acteurs partagent de l'information sanitaire avec les bonnes personnes, ce qui permet d'agir dans les temps et de limiter la propagation de la maladie. Donc l'objectif maintenant, c'est de déployer le jeu sur le terrain pour renforcer les systèmes de surveillance et pour la recherche, collecter des données pour mieux comprendre l'organisation de ces systèmes de surveillance.
Oui, alors l'idée, c'est vraiment de mettre en œuvre ce jeu dans le cadre de formations collectives, du local au national. Et on espère aussi que les acteurs s'approprient le jeu pour pouvoir jouer de manière autonome. Alors, une idée de jeu, je voulais poser la question à Gérardo, vu que tu présides l'Association mexicaine de médecine de la conservation. Tu es amené aussi, via cette association, à travailler beaucoup avec les populations locales. Alors, que t'inspire ce jeu? Est-ce que tu penses que ça peut faire partie de solutions? Et est-ce que tu as d'autres trucs, entre guillemets, toi, pour communiquer avec les populations locales? Well, this is very, very interesting. Eh bien, c'est un jeu très intéressant et c'est une manière importante d'envoyer des messages à travers toute la population. Et cette manière créative de travailler a été développée, par exemple, au Mexique, dans différents ministères pour la prévention des maladies et pour le développement de programmes de vaccination, pour l'éradication, les programmes sur l'éradication des espèces exotiques. Mais encore une fois, les gens travaillent beaucoup de manière isolée dans des silos. Et je pense que nous avons besoin de jeux comme celui-ci pour montrer des moyens de collaborer ensemble pour prévenir, pour surveiller, pour rechercher les différents risques potentiels pour la population et en même temps pour travailler dans différentes institutions pour développer de nouveaux moyens de collaborer. Et ce concept One Health peut être vraiment très important pour nous permettre de changer la manière dont nous travaillons sur différents aspects. Donc, jusqu'à présent, nous n'avons pas vraiment cette manière intégrée de travailler, mais je pense que c'est un très bel exemple. Merci beaucoup, Gerardo. Alors, on a vu l'importance de travailler avec les communautés locales, les dimensions aussi politiques avec ces communautés. Et maintenant, il y a une dimension aussi encore plus globale pour véritablement avoir des projets ambitieux au niveau, je dirais, planétaire. Et justement, a eu lieu il y a quelques mois le One Planet Summit, dans lequel on a eu une implication très forte du président de la République française pour soutenir une initiative, celle de Présode. Écoutez. Je veux ici mentionner que notre One Planet Summit est aussi l'occasion de lancer l'initiative Présode, portée par la recherche française sur la prévention de l'émergence de futures maladies à potentiel épidémique. Et cette initiative que la présidente von der Leyen tout à l'heure a saluée et pour laquelle elle a d'ailleurs souligné l'engagement aussi européen, cherche à mieux coordonner la recherche internationale dans ce domaine. Ce qui est un complément à One Health, qui doit coordonner, si je puis dire, nos agendas mondiaux. Mais donc l'initiative Présode soutiendra le renforcement des réseaux de vigilance en matière de santé humaine, animale et environnementale, afin d'identifier les risques, de les réduire en lien direct avec les États concernés. Et donc je remercie la Commission européenne et également la FAO pour leur implication très forte dans cette initiative, ainsi que l'ensemble des organismes de recherche qui se sont justement impliqués et qui ont pensé cette initiative. Alors Benjamin, tu es l'un des architectes de cette initiative Présode. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la science qui est derrière Présode? Oui, l'idée de Présode, effectivement, c'est de vraiment monter en échelle par rapport aux projets One Health qui sont en train d'être développés un peu partout dans le monde. La pandémie de Covid-19 a évidemment mis en lumière, comme le disait Peter tout à l'heure, que l'impact des activités humaines va augmenter la probabilité d'émergence de ces zoonoses avec donc un potentiel pandémique. Donc l'idée, c'est effectivement de monter en échelle. Ce qu'on a fait, ce qu'on a présenté tout à l'heure avec Gerardo sur le Mexique, c'est une étape qui va dans ce sens-là. Mais ce qu'on va pouvoir mettre en évidence au Mexique, à part bien sûr l'amélioration de nos connaissances scientifiques, va valoir pour des écosystèmes similaires à celui du Mexique. Et on ne va pas prévenir les émergences de zoonoses de la même façon dans le Yucatan qu'en Argentine, qu'en Afrique de l'Est ou qu'en Asie du Sud-Est. À chaque fois, il y a un contexte particulier qu'il faut évidemment prendre en compte, un contexte écologique, un contexte évolutif, un contexte social, un contexte sanitaire. Tout ça, il faut les prendre en compte. Il faut développer des méthodologies de prévention des zoonoses qui soient vraiment complètement intégratives. Donc là, jusqu'à maintenant, les pandémies, la préparation aux pandémies, c'était d'attendre quelque part que le microbe arrive dans les populations humaines et après d'essayer de le contrôler. On a vu avec le Covid-19 que ce n'était pas la meilleure solution, en tout cas qu'il fallait, bien que ce soit important, il faut la compléter avec des solutions de prévention qui interviennent
vraiment en amont du processus d'émergence. C'est pour ça que Prezode se veut d'améliorer la surveillance à l'interface entre animal et homme, mais aussi de trouver des moyens de gérer les écosystèmes qui permettent de moduler, de diminuer ce risque d'émergence de zoonose. Un point qui est très important dans Prezode, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure pour le Mexique, c'est qu'il faut vraiment que ces stratégies soient implémentées sur le terrain. Il ne faut pas que ça reste juste un exercice conceptuel. C'est pourquoi l'initiative donc, qui est construite par l'INRAE, le CIRAD et l'IRD se fait en co-construction avec tous les acteurs dans tous les pays où Prezode veut se déployer. Il y a 11 régions du monde en Prezode. On va développer tout ça en co-construction avec tous les acteurs, académiques, sanitaires, autorités, etc., pour vraiment arriver à une feuille de route, à un projet qui vraiment soit le plus facile à implémenter, qui réponde le mieux aux besoins. Le dernier point, c'est que c'est vraiment une initiative internationale. Ça a été lancé par la France, mais c'est vraiment une initiative internationale. À la grande conférence internationale du mois de décembre qui a lancé un petit peu Prezode, il y avait plus de 400 chercheurs venant de 50 pays. Donc ça montre vraiment qu'il y a un intérêt international pour cette initiative. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a une grosse concentration, on va dire, sur l'Asie du Sud-Est. Mais l'Asie du Sud-Est n'est pas du tout le seul endroit à risque, quelque part. En 2006, quand il y avait l'émergence du H5N1, tout le monde regardait l'Asie du Sud-Est. Et 3 ans après, c'est justement au Mexique que la dernière grande pandémie est partie. Donc, il faut vraiment avoir un effort mondial, vraiment extrêmement bien coordonné pour développer des stratégies de prévention d'émergence de zoonoses à potentiel pandémique qui puissent vraiment être efficaces. Merci beaucoup Benjamin et Gerardo pour nous avoir présenté ce LMI. Vous restez avec nous pour la séquence des questions. Mais je voulais, pour terminer cette séquence Hello Solutions, revenir vers nos invités Peter et Francine pour les faire réagir justement à ce que vous avez présenté, notamment ces solutions très locales et aussi cette impulsion politique dont on a besoin. Francine, qu'est-ce que ça t'inspire d'avoir vu cet exemple très concret sur le terrain au Mexique ? Alors, cela m'inspire beaucoup parce que cela ressemble à ce que nous sommes en train de faire au Congo. Comme vous savez, l'Afrique centrale est vraiment une zone où beaucoup d'épidémies récurrentes arrivent, Ebola, pour ne citer que celle-là. Et nous sommes en train de mettre en place, en fait, une construction aussi de collaboration avec WCS, à savoir conservation de la biodiversité, pour ne pas que les autochtones continuent à dégrader la forêt. Donc, ils ont été pris comme éco-gardes. Alors, WCS s'occupe de la faune, les prélèvements animaux, la surveillance animale, et nous, notre équipe s'occupe de la surveillance humaine. Donc, nous sommes en train, là, d'avancer ensemble, et ça va tout à fait dans l'axe de ce que vient de présenter Benjamin. Et j'espère que nous allons bénéficier évidemment des outils mis en place par cette fantastique initiative. Mais donc, c'est une initiative inspirante et vraiment, effectivement, en fonction du contexte, nous devons nous approprier cela et en collaboration évidemment avec les populations et les autorités sanitaires. Merci Francine, de futures collaborations Sud-Sud donc en perspective. Et pour terminer, la parole à Peter. Peter, cette impulsion politique, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour mener à bien cette lutte contre les futures pandémies. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'une des choses que nous pouvons observer ici, c'est la connexion entre la science et la société. Dans le rapport que nous avons produit sur la pandémie, nous avons essayé de faire en sorte que la science soit pertinente pour les politiques. Mais nous devons aussi faire en sorte qu'elle soit pertinente pour les communautés. Nous devons travailler avec les populations et expliquer la valeur de ce travail à ces gens. Chaque individu est différent. Chaque individu a une perception différente de la biodiversité. Il y a des gens qui voient la biodiversité comme une menace avec les animaux qui mangent leurs plantes. Nous avons besoin de travailler avec tout le monde pour comprendre ce qui motive les individus et ensuite comprendre comment nous pouvons faire passer le message à chacun sur la valeur de ce travail. Donc, moi, ce que je pense, si nous voyons un ami et que nous voulons lui faire découvrir la beauté de la nature, nous ne lui disons pas « Allez, va dans la forêt et va voir la nature, c'est très joli ». Nous lui disons « Viens avec moi, viens, on va se promener ensemble et allons regarder la nature ensemble et regarder
la valeur et la beauté. Nous devons nous investir et travailler à tout ça. Et c'est ce qu'on voit avec ces projets. Ça peut être de concevoir un jeu très malin qui apporte une approche plus ludique, ou bien ça peut être un travail avec la communauté, le fait de passer le temps avec les gens pour vraiment comprendre leurs besoins, ou bien ça peut être juste faire des heures et des heures de réunion avec des politiciens pour leur montrer la valeur du travail qu'on est en train d'essayer de faire. Nous avons tous un rôle à jouer et j'ai vraiment une perspective très optimiste parce que c'est exactement le genre de projet que nous avons entendu aujourd'hui. Je pense que d'ici 50 ans, les gens regarderont en arrière et diront « Le monde était vraiment dans un sale état, il y a le changement climatique, la pollution, la pauvreté. » Et un des résultats de cela, c'est que les pandémies se sont démultipliées et enfin, nous nous sommes réveillés, nous avons reconnu la menace que tout cela faisait peser. Et il y a des mesures qui ont été prises qui ont pu être douloureuses sur le court terme, mais sur le long terme, l'impact est d'apporter un futur beaucoup plus riche et beaucoup plus positif. Et c'est vers cela que nous devons travailler. Merci beaucoup, Peter, pour ce message d'espoir. Et merci aussi, Francine. Se réveiller, je crois que c'est le message qu'on va retenir. Et tout de suite, nous passons à notre dernière séquence. Hello, Citizen. Alors nous abordons notre dernière séquence de l'émission Hello Citizen. Laetitia Atlanilio nous a d'ailleurs rejoint en direct, donc nos cinq intervenants sont désormais présents. Cette séquence, c'est votre séquence. Nous allons recueillir votre question. Nous avons recueilli vos questions. Delphine, est-ce qu'il y a eu beaucoup de questions sur le chat ? Bonjour Olivier, bonjour à tous. Effectivement, encore aujourd'hui, beaucoup de réactions sur le chat, beaucoup de questions pour nos intervenants. Et je vais commencer par une question pour Peter. Donc, l'une de nos spectatrices a noté que vous aviez publié l'an dernier un article dans la revue Nature Communication. Pour rappel, celui-ci soulignait la diversité des coronavirus chez les chauves-souris. Et pour les historiens des sciences, ce papier est fascinant car il a été soumis avant la pandémie de Covid-19. La question, pouvez-vous nous dire quelles étaient les grandes lignes de ce papier lorsqu'il a été soumis pour la première fois ? Oui, c'est très intéressant. Quand nous avons soumis cet article, c'était un gros article qui nous a demandé beaucoup d'années de travail. Nous avons trouvé 630 séquences de coronavirus complètement nouvelles chez la chauve-souris en Chine. Et évidemment, nous ne le savions pas, mais une de ces séquences est maintenant la forme la plus connue, la plus proche du SARS-CoV-2. Donc c'est drôle, si on regarde rétrospectivement, c'était juste une séquence parmi beaucoup d'autres chez les chauves-souris, un code génétique d'un virus. On ne savait pas quelle était son importance. Et aujourd'hui, nous nous disons qu'il pourrait être très étroitement lié au coronavirus actuel. Mais ce que ça nous apprend, c'est beaucoup plus important, ça nous dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de virus dans la vie sauvage et la plupart d'entre eux, s'ils émergent, ils ne provoquent pas forcément une pandémie, mais certains d'entre eux le font. Donc nous pouvons faire un choix aujourd'hui. Nous pouvons soit continuer à poursuivre nos activités qui consiste à développer des trains à grande vitesse pour lier la Chine rurale au centre de la Chine, au Laos, au Vietnam, au Cambodge, et juste continuer et espérer que tout se passera bien. Ou bien nous pouvons continuer ce genre de travail, regarder à quoi ressemblent ces virus et dire certains d'entre eux peuvent être dangereux, certains posent des risques, quelles sont les communautés dans lesquelles existent ces virus et apprendre à ces communautés à interagir avec la nature pour bloquer ces pandémies. Les pandémies peuvent être interrompues, comme beaucoup de phénomènes naturels, mais il faut en tout cas agir. Si on reste assis sans rien faire, ce n'est pas la stratégie à suivre. Et ça, c'est, je pense, le message principal de cet article. Merci, Peter, pour votre réponse. Je vais maintenant me tourner vers Laetitia. Donc, on l'a vu, depuis l'année dernière, la communauté scientifique a été fortement mobilisée sur la crise pandémique liée au Covid-19. Vous, en tant que membre du Conseil scientifique Covid-19, pourriez-vous revenir en quelques mots sur la mission de ce Conseil scientifique et sa place dans la gestion de la crise ?
Merci pour cette question. En effet, en tant que chercheur IRD, j'ai été et spécialiste des crises sanitaires, en tant qu'anthropologue et travailleur sur les questions de santé publique. J'ai eu la chance, ou la malchance, on verra plus tard, d'avoir été nommée du Conseil scientifique Covid-19 dès mars l'année dernière, peut-être pour revenir rapidement, y compris pour rebondir sur ce que disait Peter sur les liens entre sciences et politique. En temps de pandémie Covid-19, ce Conseil scientifique n'est pas une spécificité française. Hein. Beaucoup de pays ont nommé des conseils scientifiques dédiés à la pandémie Covid-19, avec pour mission la même d'essayer d'éclairer les autorités sanitaires, en particulier le ministère de la Santé, dans la réponse Covid-19. Et donc, il sera très important, je rejoins tout à fait ce que disait Peter tout à l'heure, il sera très important dans les mois, dans les années à venir, de revenir sur ce que ces conseils en France, le conseil scientifique, le comité CARE, le conseil dédié à la vaccination aussi, il y en a eu beaucoup, hein, il y en a encore beaucoup, ont pu faire ou ne pas faire pendant la pandémie, et une comparaison internationale sera absolument essentielle. Il va être aussi essentiel, toujours pour revenir sur l'image qui était très forte, qui a été proposée par Peter tout à l'heure, non seulement de dire la forêt c'est là-bas, mais d'avoir aussi une réactivité de partage de ce qui a pu être fait en interne dans ces conseils, du rôle que l'on a assigné à ces conseils, du rôle que ces conseils se sont donnés, de leur liberté de manœuvre, d'indépendance, de leur choix de transparence ou pas, ça a dépendu des pays, de leur lien avec les médias, avec les populations, et donc d'emmener la population, en l'occurrence la population française, en balade dans la forêt, pour reprendre l'image de Peter, aussi pour expliquer ce que la recherche scientifique en temps de crise sanitaire, en l'occurrence épidémique, peut ou ne peut pas faire dans l'appui aux autorités politiques. On en a tous compris à quel point la science prend du temps. L'incertitude, en particulier face à un nouveau virus, est très importante. Et donc, une science forcément modeste, qui prend le temps de la réflexion et qui annonce et rappelle ses incertitudes, c'est très difficile à faire passer et à mettre en avant dans des liens avec les autorités politiques qui veulent des réponses rapides et fermes. Et donc, ces liens entre science et politique, le temps long de la recherche versus le temps court des attentes en matière de gestion de crise, le lien avec les médias, le lien avec plus largement la population, ce que les débats et ce que les controverses au sein de la communauté scientifique sur toute une série de sujets, que ce soit l'hydroxychloroquine ou autre, ont pris comme impression depuis le début de la pandémie, il sera absolument nécessaire de revenir sur tous ces sujets, à la fois pour garder trace et mémoire de ce qui se passe hein, et de ce qui s'est passé pendant la pandémie, mais aussi pour mieux se préparer aux crises sanitaires à venir, qu'elles soient épidémiques, qu'elles relèvent de catastrophes naturelles, de conflits, de violences organisées, etc. Merci Laetitia pour votre réponse. À présent, je vais prendre une question pour Francine. Donc, concernant le contexte spécifique du Congo, quelles mesures phares préconiseriez-vous en matière de politique publique dans la lutte contre les pandémies? Ah, on ne vous entend pas, Francine. Ok, vous m'entendez? Alors, quelles mesures phares? Ça serait déjà pour le Congo de mieux réorganiser la recherche, qu'elle soit réellement pluridisciplinaire, parce qu'il y a un manque d'expertise dans différents domaines. Donc déjà, avoir une recherche multidisciplinaire, des collaborations solides avec nos partenaires au niveau régional, ça c'est très important parce que l'Afrique centrale, comme je le disais, est une zone où vraiment les épidémies de maladies infectieuses sont récurrentes, donc d'avoir une meilleure coordination au niveau sous-régional, donc Afrique centrale. Donc ça serait pour moi un point très important. Et ce qu'on a dit, l'engagement des communautés, la COVID-19 nous l'a très bien montré, combien
Et là, avec la vaccination, on le voit très bien, combien la population n'adhère pas, par exemple, à la vaccination. Même si on nous donne des tonnes de vaccins, la population ne veut pas se faire vacciner. Donc, cela montre là aussi que la science doit mieux communiquer. Donc, engager beaucoup plus pluridisciplinaire, je répète encore, avec les socio-anthropologues, on les met trop à l'écart. Donc, ça serait vraiment ma recommandation par rapport à cela, pluridisciplinarité, meilleur community, un engagement des communautés, et puis voilà, et une action sous-régionale, coordination sous-régionale, parce que là aussi, on sait très bien que nos systèmes de santé sont fragiles, mais avec une bonne coordination, il est possible d'avancer et de mieux se préparer. La communication, très importante, très, 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 très importante. Voilà. Merci beaucoup, Francine, pour votre réponse. Je vais prendre maintenant une question pour Gerardo. Il y a quelques jours, on l'a vu, le Mexique est devenu le premier pays d'Amérique latine à rejoindre l'initiative PRESOD. Pouvez-vous nous expliquer ce qui fait la spécificité de l'adhésion du Mexique à cette initiative? Eh bien, c'est vraiment une très belle opportunité d'être le premier pays à collaborer à l'initiative PRESOD qui a été lancée par le gouvernement français. Et c'est vraiment formidable parce que c'est tout à fait aligné avec le projet Eldorado sur lequel je travaille. C'est aussi aligné avec les projets que nous voulons développer sur le moyen et le long terme. Donc, PRESOD, la participation du Mexique permettra vraiment de collaborer, de faire du Mexique un centre d'excellence et un centre qui pourra développer un réseau de communication à travers tout le continent avec différents pays. Donc, en ce sens, nous allons pouvoir travailler pour prévenir, pour surveiller notre relation avec la nature, identifier les pathogènes et avoir aussi une approche, développer une réactivité plus rapide en cas d'émergence, quel que soit le pays où cela se produit en Amérique latine. Donc, c'est vraiment une très belle opportunité pour le Mexique et aussi à l'échelle locale, régionale et continentale. C'est vraiment formidable de faire partie de cette initiative. Merci à vous, Gerardo. La fin de l'émission approche, donc je vais prendre une dernière question pour Benjamin. Doit-on soigner les animaux avant les humains en Afrique sahélienne et comment les animaux peuvent être en contact avec les maladies? Alors, ça dépend aussi de ce qu'on entend par le terme soigner les animaux. Faut comprendre que c'est justement les pathogènes sont des ingénieurs extrêmement importants des écosystèmes. S'il n'y a plus de pathogènes dans les écosystèmes, la biodiversité va s'appauvrir et donc certains pathogènes vont en gros prendre la place de ceux qu'on aura éliminés. Les pathogènes forment aussi une communauté, donc c'est pour ça que c'est un équilibre qui est quand même extrêmement difficile à maintenir. Il faut avoir un bon niveau de protection des écosystèmes pour justement que les pathogènes dangereux ne monte pas trop en fréquence et ne menace les populations humaines. Mais en même temps, si on imaginait qu'on pouvait exterminer tous les pathogènes, quasiment tous les pathogènes dans les écosystèmes, il y a d'autres pathogènes qui émergeraient et le problème ne serait que reculer le problème et on ne sait pas ce qui peut émerger. Quand on a commencé vraiment à développer les vaccins, quand on a éradiqué la variole à la fin des années 70, beaucoup qui se sont dit que c'était la fin des maladies infectieuses, qu'on allait avoir un vaccin pour tout, et que voilà, l'histoire était terminée. On avait des vaccins contre la variole, contre la rougeole, contre la tuberculose, on savait qu'on allait peut-être développer des vaccins contre le paludisme, etc. Et en fait, depuis ce moment-là, on est rentré vraiment dans une ère d'émergence des maladies infectieuses. Il y a le VIH qui est apparu, il y a bien sûr les épidémies d'Ebola, il y a eu d'autres grippes pandémiques, la grippe reste un virus qui est
extrêmement présent sur tous les continents. Il y a eu toutes les zoonoses qui ont aussi émergé, le SARS-CoV, le MERS-CoV, aujourd'hui le SARS-CoV-2, tous les coronavirus, la fièvre West Nile, bref, je ne vais pas faire un listing complet, mais on est vraiment passé d'un monde où on avait des grandes maladies qui se transmettaient énormément, on a réussi à en réduire le poids, et du coup, d'autres maladies sont arrivées, c'est ce qu'on appelait les maladies émergentes. Alors, ce qu'il faut arriver à trouver, c'est arriver à développer des stratégies qui permettent justement de diminuer l'interaction qu'il peut y avoir entre les populations humaines et les animaux sauvages ou domestiques, et faire que ces animaux qui sont malgré tout en contact avec les populations humaines, eux-mêmes soient moins infectés par moins de pathogènes. Mais en même temps, on ne peut pas non plus tous les éradiquer. Donc il y a vraiment un équilibre qui est extrêmement difficile à trouver, et ça c'est là où la science peut apporter des solutions, pour justement déterminer quelles sont les solutions possibles, et ensuite de voir avec les politiques, avec tous les acteurs de la société, quelles sont les solutions qui sont implémentables dans la vie réelle. Merci Benjamin. Je repasse la parole à Olivier pour conclure. Merci beaucoup encore une nouvelle fois à tous nos invités. Nous arrivons maintenant au terme de cette émission. Nous l'avons compris, la santé des humains est inextricablement liée à leur environnement dans son sens le plus large, à savoir les dimensions physiques, écologiques et sociales du système Terre. Et la pandémie Covid-19 est présentée partout comme un problème d'humains parce qu'elle touche des humains. Mais pour trouver des solutions à long terme et prévenir les prochaines crises, il est urgent de regarder cette pandémie à travers le prisme d'une approche holistique. C'est ce que propose l'approche One Health. Si l'action politique et scientifique semble en marche, notamment à travers les initiatives PRESOD ou Covid-19 Ad Memoriam, un défi pour les scientifiques est d'organiser une recherche mondialisée et interdisciplinaire. Et un défi commun à tous les humains, c'est un devoir de modestie, cesser d'avoir une vision anthropocentrée des maladies et repenser en profondeur la relation entre humains et non-humains. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Je remercie vraiment chaleureusement les nombreuses personnes qui ont participé à sa préparation et j'adresse une nouvelle fois un grand merci à nos invités, en particulier Peter et Gerardo, qui nous ont rejoints de très bonne heure pour eux aux États-Unis et au Mexique. Si vous voulez en savoir plus sur cette émission, je vous invite à consulter le site internet www.ird.fr/helloworld et je vous donne rendez-vous au mois d'octobre pour notre prochaine émission. La thématique sera la biodiversité, on compte donc sur vous. Et d'ici là, nous tous, citoyens de la planète Terre, n'oublions pas de faire notre part. À bientôt. Thank you.